Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des églises. Oh, quoi? Nini? La Pâque. Oh, Pâsika. Nous allons fêter la Pâque. Oh, Pâsika Lelo. Commémorer la résurrection. Ah, Pâsika Lelo. Kokundo la lycée quoi dans Colo. Et la plupart d'entre eux, Mingi Kati Nabango, partent dans des églises là. Parce que nous allons faire Mawana. Et ils disent qu'ils vont aller commémorer la résurrection de Jésus. Mais chose étonnante, tous ces gens-là ne connaissent même pas qui est Jésus. C'est ça ce qui est étonnant. Il y a moins de gens qui ont comme ça. Amen. Ce matin, ils sont nombreux dans le pays. Amen. En train de danser. Combine. Alléluia, alléluia. Mais la plupart d'entre eux, ils ne connaissent même pas qui est ce Jésus-là. Yesu wana zali nani. Qu'ils sont venus commémorer. Oh, bango bado kundola. Si vous leur demandez, ce qui est tout ni bango, qu'ils vous prouvent, bah, pesa binondanga, qu'ils les connaissent, et te bayebi, ils n'ont pas de preuve. Bazali nandanga te. Et même la preuve attendant que ce Jésus-là est ressuscité. Et que Yesu wana sekwi. Ils ne l'ont pas. Bazali na yango te. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus est ressuscité. Yesu sekwi. Yesu sekwi. Qui est Jésus? Yesu amone nani. Il faut commencer à vous relater une histoire. Vous voyez, qu'il y avait quelqu'un à Galilée, qui avait marché, qui est mort pour nous. Mais cette histoire-là, si vous avez mis solo, même les diables connaissent. Les diables connaissent ça. Ils maîtrisent bien cette histoire. Ils sont là, ils même malgré que les diables connaissent cette histoire, c'est à temps que ça cela n'a pas sauvé les diables. Il n'y a pas mis qui c'est ça dans ma tête. Oui. Solo. Remarquez. Je donne un exemple là où nous venons de vivre. Nous avons fait un exercice à tout temps. Jésus est mort le vendredi. Yes, on va dire le vendredi. Il s'est séparé de ses disciples. On l'a enterré. Le dimanche matin. Quand je me vois dimanche matin, Jésus-Christ est ressuscité. Yes, c'est oui. Les femmes partent à la tombe, ils trouvent la tombe vide. Ah, mais c'est pas bien, on a beaucoup de gens pour les. Jésus est ressuscité. Yes, ça c'est puis. Les femmes partent et disent aux gens, aux autres, Jésus est ressuscité. Ah, mais c'est pas bien, ils sont pas trop, yes, ça c'est puis. Mais, t'as si. Les disciples même de Jésus, bah, ils ne croient pas. Il y a Yesu, il y a beaucoup, pas du matin. Ressuscité. Ah, c'est puis. Il faut bien voir ça. C'est une hauteur pour madame ou un tambour. Maintenant, si toi, Pierre est allé vers lui. Pierre est allé vers lui. Il y avait des disciples, j'insiste sur ce point. Non, non. À part tous les disciples, il y avait des disciples qui ont quitté Jérusalem et qui retournaient à Emmaüs. Et écoutez les versets 17 de Luc 24. Ils étaient vraiment dépassés. Jésus est mort. Trois jours. Et pourtant nous pensions qu'il pouvait faire ceci. Et ce femme nous étonne qu'il est ressuscité. Ah, est-ce que c'est la vérité? Maintenant écoutez, pendant qu'ils étaient en train de marcher, suivez bien cette histoire. Luc 24, 17. Jésus, sort de la brousse. A Pimi, Mandela. Il les rencontre. En train de parler. Jésus, c'est ça comment ça fait route avec. Yes, avant que t'as mon abandon le bon. Et Jésus l'a dit. Et Yes, on dit l'abandon. De quoi vous entretenez-vous à match? Vous avez besoin d'un lien à votre table. Et vous êtes trop triste. Vous avez un mauvais boy. Jésus parle à qui? Yes, avant qu'on ne parle pas d'un à ses propres disciples. Ma baye polinaye moko. Les gens avec qui il a vécu pendant longtemps. Bato et le monde n'a ni habité.
Jésus sort. Il est au bout de la question. Maman, vous êtes en train de vous attrister. Il lui regarde. Bataille. Cléopas le regarde. Cléopas a le binaire. Est-il le seul qui a Jérusalem? Et tu ne sais pas ce qui est arrivé. C'est juriste. Tu ne connais pas. Jésus fait semblant. Il dit quoi? Et quand il parlait là, peut-être ce n'était pas la nuit. C'était pendant le jour. Les disciples de Jésus, ils ont vécu ensemble pendant le jour. Jésus sort. Jésus a mis juste 3 jours de séparation. Jésus sort de la bourse. Il regarde Jésus. Il ne sait pas que c'est lui. Amen. Jésus lui repose la question. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous allez boire? Oh, tu ne sais pas que nous avons Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Un prophète puissant. Bon, ça va les mots en œuvre et en parole. Ah, la mise à la belle maloba. Devant Dieu, devant tous les peuples. Bon, ça va bien, vous allez voter à Mion. Le principal sacrificateur. Ah, bah, maman, ça va bien. Le magistrat. Père, bah, le frère. Pour les condamner à mort, pendant qu'on croit, c'est un homme. Ils l'ont crucifié. Papa, pas qui est. Les versets 21. Et nous étions en train d'espérer. Père, puisque nous disions qui est. Qu'il délivrerait Israël. Et t'es à mon Israël. Mais regardez avec tout ça. C'est le troisième jour. Nous que ces choses se sont passées. Ma maman, elle est dit. Et les femmes. Père, pas si. Concert de l'église. Pendant mon avis, sur le sang, mais pas si. Nous sommes fort étonnés. Maman, ma copine, ici, ils ont pensé. Ils sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé la tombe vide. Oh, ma morning, bende, et les anges leur sont apparus pour dire qu'il est vivant. Et d'autres frères sont aussi partis. Ils ont découvert les témoignages des soeurs. C'était la vérité. Ils parlent à lui. Il parle à qui? À Jésus. Amen. Jésus était où? Avec elle. Et ils faisaient quoi? Ils roulaient ensemble. Et je ne pense pas que ces gens-là avaient toujours la tête basse. Non. Parce qu'ils se regardaient. Moi aussi. Ils regardaient qui? Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai fait un peu une parenthèse. Tiens, parenthèse. Si les disciples, ceux qui baillent colis, propre de Jésus, avec qui il a vécu tout ce temps, il pouvait les regarder. Sans les connaître. Si les disciples, à qui lui-même avait dit je ressusciterai après les 3 jours. Et ils sont allés à la tombe, il a trouvé que c'est vide. Avait difficile à croire. Il était ressuscité. Pensez-vous que les Congolais, les Africains qui n'avaient jamais vu Jésus, est-ce que s'ils le voient, ils vont les reconnaître? C'est la même chose. Il est là. Beaucoup que vous voyez, il faut le bruit. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. J'ai fait les prouves avec la Bible ce matin. Amen. Vous pouvez lire tous les versets là. Vous allez voir.
que Jésus les regarde. Il leur dit. Au verset 25. Ah, dans mon capotou, mi balé, na mitan. Oh, oh, homme sans intelligence. Batoyo, basangi mayele. Pourquoi il les appelle homme sans intelligence? Et tous les cœurs, elle, là. Donc, oh, oh, yo, mitema na bango, ezali makasi. À quoi? Pour la condiment. Tout ce qu'on dit, les pauvres. Jésus n'a pas dit
agis. Toujours. Selon les écritures. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un alléluia. Quand il leur parlait, je fais ça. Quand on sur la parole, on a dit à ma comami. Si je posais la
la question à tous les pasteurs du monde. Ceux qui n'ont plus de monde dans la bataille, ils n'ont pas de monde. Oui, qui est Jésus? Il faut commencer à me révéler le Jésus. Par contre, on peut être vraiment solo. Et d'autres, Missouso, vont relater les histoires comme si ils étaient les petits frères de Jésus. Par contre, les histoires, on peut être dans la vie de Jésus. Comme les frères Patrice. Nous voilà de vos Patrice. Alléluia, en colo. Alléluia, en colo. Alléluia, en colo. Alléluia, en colo, Jésus. Même si tu fais ça. Pour il y avait un pasteur national qui était chargé de certaines choses. Il m'a dit, je le voyais toujours. Nkolo. Nkolo. Je vois que toi tu connais bien le Seigneur. Oui, alléluia. J'ai dit, explique-moi un peu. Mais Yes. C'est quoi? Ezani. Il a pensé que. A pensé qui était? J'étais un magicien. Nazaré qui monte dans ce loca. You think you're solo? On dit que aux hommes tu as Yes. Toi tu dis que tu es Yes. Alléluia. Yes. Oh, essayez mes côtés. Expliquez maintenant. Yes. Explique-moi un peu. Qui est Jésus? Ah, on dit que Yesu wana. Moi, je vois que c'est Jésus là. Azaga lokola ba Denis Lesoyo. Il est comme de Denis Les. Abataka kotambo la kala. Ah, il se promenait seulement. Et ça qui va monter. J'ai dit moi, c'était pas comme ça. Expliquez-moi alors c'est comment. Maintenant, explique-moi c'était comment. Amen. Il est devenu sérieux. Et après on monte dans yo. Depuis il me dit non. Alors bien regardé. Je comprends que toi tu connais alors. Si quoi, la société de yo yebi. Dis-moi, j'ai dit non. Abi, c'est moi qui vais connaître. Na bingata na niko yeba. Il ne connaît même pas. Et beaucoup de pasteurs de dominationnel ont des brochures dans leur maison. Ils ont des brochures dans leur maison. Il a lu les brochures. Et puis il vient. Alléluia. Alléluia. Amen. Na votali c'est un mot. Glory.
aveugle conduisant des aveugles. Jésus. Et il vous rassemble là. Yes. Et vous êtes là. Binobe. Vous aussi des aveugles. Vous êtes dans le même rite. Yes. Frère Branham dit, dans les messages, les plus grands flashs d'information de l'histoire. Il est au parent septembre. Aujourd'hui, le loyo, c'est comme les églises se réunissent. J'ai peur de le dire. Mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour adorer un mort. Chante mon Dieu plus près de toi. Avec une espèce de lenteur comme à une mort. Ça produit un bruit ennuyant. Et ça dit il réussit des créteaux des apôtres. Répétons les créteaux des apôtres. Les créteaux des apôtres, c'est une histoire du monde des ténèbres. Jésus n'avait jamais laissé de créteaux aux apôtres. Ce que Jésus a laissé aux apôtres, c'était le Saint-Esprit. Nous croyons à la Sainte Marie. Nous croyons à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons à la Sainte Catherine. Quand vous priez les morts, c'est le plus haut sommet de la sorcellerie. Comme c'est triste, c'est comme un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche et bébé azotea cherchant à parler d'un cadavre azoloba natina et bébé moko et mon sousou qui a vécu autrefois oye bigaga kala et qui est dans la tombe il y a des années oye zana kunda bamboule legi voilà ma dit voilà ma dit c'est un cadavre isa et bébé des cadavres Bibembe et parlant d'un cadavre. Et par l'autre, il y a un bébé moussoussou. Est-ce que vous comprenez ça, Bernard? Aujourd'hui, les églises Mamba sont devenues des morgues. Bakomi, Bakunda, et comme Kunda. Morgue. Bandeau bébé. Le pasteur lui-même, un cadavre et bébé. Il prêche à des cadavres. Bibembe, l'air parlant d'un cadavre. Et ça, madame, précise. Un cadavre en bilan. Et bien, mais à votre temps, là, parlant à d'autres cadavres, à votre son, à votre terre, il me mon sous. L'air parlant de notre cadavre. À votre terre, par moi, et bien, mais mon sous. Et moi, je vous dis. Mais là, il y a une suivante. Ça, voilà. Ce n'est pas ici. Ah, ouais. Ce n'est pas une mort. Et ça, non, il me met. Le message de Malachika. Vous croyez pas un cadavre, vous croyez
Jésus a fait sur la mission, mais pas un cadavre. Jésus, Jésus, la mission, c'est lui dont je parle.